Bonjour et bienvenue dans ce troisième match du Mortal Attack. Et aujourd'hui, moi-même, Skaterboy, vais affronter. Expresso. Ouais, ça c'est un nom qui pète la classe. Et tu es à ta 1003e. 16e. 16, 16e ok. place de Ça va aujourd'hui, Ça va. t'as limité. Et ben, j'espère que la fin me sourira. On verra. Ou bien, vu que j'adore les skates et faire des flips et plein de trucs comme ça, je vais lancer la pièce et voir qui va commencer. J'ai fait tomber la pièce. Donc après ramassage de la pièce, relancer pièce. Et c'est le côté des épées, donc c'est Nel qui va commencer ce combat. Bah tu peux poser deux pièges. Donc deux pièges où tu veux, voilà, bien de mon côté, parfait, incroyable. Et ensuite, deux pièges pour moi, et on va aller du côté jaune. Ça me plaît bien de ce côté-là. Original. Ouais, bah tu peux commencer ton déploiement. C'est bon, je crois. À mon tour de me déployer, tout ciao, je vais le mettre, bah pareil, en fait, je vais faire exactement le même déploiement. Je vais mettre mes deux gros sur le côté et mon plus ou moins support sur le côté, au milieu, comme ça encadre ma formation. Et puis c'est parti, tu peux donc mélanger tes trois decks. Après avoir enfin une main extrêmement polyvalente et offensive, et ben on va pouvoir tirer nos cartes de challenge. Donc une carte de challenge qui va commencer par contrôler la zone de destruction. Comment dire que ça va être un peu compliqué au premier tour. Moi je vais plein une carte. Je vais lancer de plus 1. Ouais, J'avance là où j'utilise une énergie rouge pour avancer de 2. Ok. Ah ouais, direct dans la zone. En vrai, je serais ici plutôt. Mais là, c'est bon. Et tu joues pas ton jaune. Non. Ok, mon tour fini. Donc pour moi, qu'est-ce que je pense faire? Je vais commencer avec cette carte, Clairvoyance, qui permet à Loralei de se déplacer de 3. Donc 1, 2, allez, 3. Et de piocher une carte supplémentaire. Et ensuite de plein 5. Donc de prévoir jusqu'à 5 cartes de ma main sur ma pioche. Et donc je vais plein 4 cartes. On va défausser une. Et donc ça c'était pour en fait mon corps bleu. Et ensuite je vais déplacer mes deux compagnons de 2. Hop, avec le rouge. Je vais tout simplement le déplacer de 2. Avec le jaune pour me déplacer aussi de la corvache. Voilà. À toi, Nel. Donc là, on peut avancer exactement une carte challenge, un pec. Et donc maintenant, on a contrôlé la zone de destruction qui vaut une couronne. Mais vu que c'est pas mon tour, ça sera peut-être mon prochain tour si j'arrive à garder la position. Tiens. Et un nouveau challenge qui est avoir au moins deux champions adjacents à la statue d'Ismaël. Pas la zone bleue, mais bien la statue d'Ismaël. Donc, normalement, je m'inflige 2 de dégâts. Le truc, c'est que le Raleigh, elle a 2 de défense. Par contre, tu peux toujours te déplacer 2 si t'as envie. Pour les prochains, enfin, les héros de ton côté, en tout cas, qui voudront causer tes dégâts, et ben, je vais subir plus 2 de dégâts pour le Raleigh, en tout cas, sur ce coup. Ici. Du coup, j'utilise cette carte qui fait que j'ai avancé de 1, de là à là. Et, Ok. je peux échanger ma place avec un champion en ligne droite à un hexagone de distance. Ok. J'échange ma place avec ce personnage. Ok. Allez. Et j'utilise mon jeton jaune pour avoir deux déplacements. J'en utilise que un pour aller ici. En vrai, non, je vais dans le piège. Ah ouais? Ouais. Ok. Allez. Du coup, ouais. Ouais. C'est ça, hein. Je contrôle plus du tout la zone des destructions, c'est bien ce que je me disais. Ouais, j'ai vu que ça se passait sous mon nez, mais j'ai pas calculé. Donc, l'objectif se remplit pas. Je gagne pas, en tout cas actuellement, une couronne. C'est un trophée. Alors, comme premier coup, bah, c'est simple, on va couper dans le vif. Hein.
On va utiliser Zhu Xiao pour son attaque double strike. Donc c'est une attaque qu'on peut faire adjacente qui occasionne dash 2. Donc elle fait 2 dégâts et elle est doublée. Donc voilà, Gwen prend 4 de dommages directement. Est-ce que par magie je serais capable de la tuer? Je vais utiliser mon corps jaune pour faire une attaque de cordage qui est Leaping Strike. Donc ça me permet d'avancer de 1. Donc c'est parti, on avance de 1. Et ensuite de faire jump 2 pour occasionner une attaque adjacente à un ennemi. Donc 1, 2, je vais passer derrière toute la formation. Pour attaquer à 3 direct sur Kigor. Kigor a 1 d'armure, donc il va subir 2 de dommages. Ouais. De toute façon, je pense que la zone rouge, on va pas pouvoir la contrôler, on s'est fait avoir tout ce coup. Donc on va se placer dans la zone jaune, on va essayer de prendre de la force. Et pleine, donc en utilisant son énergie bleue, de pleine une carte. Début du tour de Naël, le truc qui se passe qui va être un peu compliqué pour moi, c'est l'objectif que la demoiselle visait, bah, c'est de contrôler la zone de destruction. Là clairement elle la contrôle bien, donc tu gagnes deux trophées. Et puis toi tu préfères tes trucs quoi. Ouais. Voilà. Champagne. Je vais remballer mes trophées, j'ai compris. J'utilise Blizzard sur ce champion. Corvache n'a pas d'armure, mais ça tombe mal, j'ai une petite réaction. Pas piqué des hannetons. Déjà, ça me rajoute 2 d'armure. Déjà, l'attaque de 2, c'est réglé. Et aussi, si l'ennemi est mal en point, en gros, je retire tous les autres effets sur la carte. Là, le problème de ton attaque, c'est que dans tous les cas, si tu ne causes pas de dégâts, c'est ça qui peut. J'utilise cette carte-là, toujours sur le même ennemi. Push. Ouais, il prend 2 dégâts et push 2, sachant que ouais. Du coup, il se prend 3 dégâts parce qu'il y a une case qui ne peut pas push. Ouais, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il est push de 1 et il est push de 2. Donc, il prend 1 dommage par obstacle extérieur. Donc, je prends 2 plus, c'est ça, l'obstacle, donc 3. Donc, Cravache est considéré comme malheureux. J'utilise mon jeton rouge. Ok, oh oui. Du coup, j'avance de 1. Ici, il prend 2 de dégâts. Ouais. Et je me heal de 1. Alors, début de mon tour, je vais attaquer avec Laura Lay. J'utilise Nature of Vex. Donc, me déplacer d'une case. Et ensuite de taper, donc à 3 distances. Essayer de taper Guayenne pour aller jusqu'à 3 dommages qui ignorent la défense de l'ennemi. Et tu subis 3 dommages, sans armure. T'es plus ou moins ce qu'on peut appeler hors de combat ou morte, choisis le terme. Et donc, Lorelai passe au niveau. Donc, ouais, c'est quand même quelque chose de mais c'est quand même bien. Tu peux devenir aussi sur cette escalade. Ah, j'avoue. Allez, merci bien. Bon, allez, une capsule. Du coup, avec ma dernière énergie jaune, eh bien, on va déplacer Corvache. Corvache qui est un peu mal en point. Et faire blocus sur le relais, très bien. Donc, nouveau tour. Tac, on déplace la carte challenge existante et on en remet une. Et donc, comme nouveau challenge, on va avoir 2 champions adjacents à la statue de Raglé. Mais, utiliser un jeton rouge pour avoir. Du coup, un déplacement qui me permet d'aller ici. Mmh. Du coup, j'utilise aussi la capacité rouge pour faire un dégât. Ok, alors du coup, j'utilise cette carte qui fait que je peux me déplacer de 2. Donc, je me déplace ici. Okay. Ensuite, je peux attaquer un champion qui est à 2 cases ou 3 en ligne droite de moi. Donc, le relais. Ouais. Je lui fais 3 dégâts, sachant qu'elle a 2 d'armure. Elle prend 1 dégât. C'est ça. Et okay. L'effet secondaire, c'est que si je mets une blessure à quelqu'un, un des champions qui est adjacent à moins de 2 hexagones de la cible se prend aussi également 2 de dégâts. Du coup, j'utilise cette carte qui fait que je peux avoir 2 déplacements ou moins. J'utilise donc ce champion. Enfin, sur ce jeu, du coup, je me déplace de 1. Je peux donc lancer un allié, je le lance ici. Je dépose ma carte, je retourne mon jeton et c'est fini. Donc, pour commencer, on va se déplacer de 1. Très bien.
plane, une carte. On va mettre ça en réserve. Donc, je vais jouer mon corps jaune pour utiliser la compétence de Loralei Within Pass. Donc, me déplacer de 2, 1, 2. Et de pouvoir cibler un ennemi à 2 distances. Donc, Wayen. Et de pouvoir échanger les deux positions. Donc, de Loralei et de Wayen. Donc, hop. Toi, ça va juste à côté de Ravush. On va venir. Pendant cet échange, Wayen prend 2 dommages. Oh mon dieu, je fais une réaction. Ah non! Ah là là! J'ai plus 1 de bouclier et si ton attaque était à distance, donc que j'étais pas collé à ton champion, j'ai plus 2. Ok, joli. J'ai pas vu bien sûr. Très bien. Bon, bah, pour finir mon tour, utilisez la carte magique. Chop! Le Corvache, qui, je pense, très apprécié. Qui, en gros, fait une attaque circulaire. Donc, sur toutes les cases autour de Corvache. Mais, par contre, par target, mon attaque gagne 2 d'attaque en plus. Donc là, comme il y a 2 ennemis, les 2 ennemis vont prendre jusqu'à 4 de dommages. Je ne peux pas le bloquer. Ah, mince alors! Eh bien, ça fera 3 dommages sur Kilgore, du coup, qui a quand même un d'armure. 4 sur Wayen. Donc, nouveau tour, classique en fait, hein, on va juste avancer les challenges. Donc, et le nouveau challenge, avoir un champion adjacent à chaque statue. Je viens de me rendre compte, hein, mais bon, je débute toujours. Mais, le Raleigh, en passant niveau 2, peut tirer 2 cartes supplémentaires pendant la phase de tirage de cartes. J'utilise un jeton bleu pour faire un déplacement de 2. Oui. Et je vais ici. J'utilise cette carte, du coup, je peux attaquer entre 3 et 5 de distance. Du coup, j'attaque ce champion-là, je suis bien à 3. Mm-hmm. Ça fait je lui fais 3 de damage, sachant qu'il a 0 d'armure. Oui. Voilà, et je lui fais un push. Du coup, il recule de 1. Ah, il y a des chances que je me prenne le pied, que je fasse bien mal. Ok, ça va. On est sûr. Ça fait quand même peut-être de blessure. Du coup, là, c'est la fin de mon tour. On va jouer cette carte pour pouvoir jump 3 avec tout charme. 1, 2, 3, atteint juste ici. Voilà, ça passe. Et du coup, faire une attaque adjacente à Wayen de 1 dommage et en plus occasionner un push. Donc, tu n'as pas d'armure non plus. Et je ne peux pas push. Et tu ne peux pas push. Donc, tu subis 2. C'est la mort de Gwen. Et donc, c'est deuxième sortie de pour Gwen. Donc, hop, touché à passe en expérimenté et continue à avoir ses blessures. Mais maintenant, les ennemis adjacents perdent un d'armure. Et évidemment, ça gagne un magnifique trophée pour l'élimination de Gwen. Ensuite, je vais utiliser mon déplacement bleu. Si on peut dire. Allez, tenter le tout pour le tout, j'ai envie de dire. De reculer avec tout Chao, aller dans le piège. Subir une immobilisation, c'est très bien pour moi. Donc je subis absolument pas de dégâts, mais. Tout Chao sera peut-être juste bloqué pour se déplacer, vu qu'il se déplaçait devant, c'est bon. Et plein une carte. Pour finir, on va tout simplement se déplacer avec le déplacement. Encore une fois avec tout Chao pour se placer ici et taper De Groen des fausses à mort. Début de ton tour, on a lancé le challenge. Avant de champion sur son décasque, du coup, moi je vais utiliser cette carte. Déjà avec un déplacement pour pouvoir sortir de mon spawn. Ouais. Je vais aller ici. Ensuite, je vais taper le relais. J'ai 2 de dégâts, sachant que du coup elle a 2 de bouclier, elle ne prend rien. Ouais. Par contre, mon effet, c'est que maintenant que je l'ai tapé, les champions, ils ont plus de contraintes. Je vais utiliser cette carte. Je peux me déplacer de 2, ici. Je suis adjacente à elle, je peux donc la taper de 2, avec un bonus de plus 2. Elle prend donc 2 dégâts. Mmh. Et c'est le premier ça. Holy shit. Bon, alors là, hors de combat, je ne peux pas réagir pour le coup. Le passif de la carte, c'est que si je touche, en gros, chacun de tes autres champions prend un dégât. Et du coup, je level up sur du Groen. De Groen. Aïe aïe aïe.
Il me reste donc un jeton jaune. Je peux utiliser avec 7 attaques. Je peux me déplacer 2. En gros, je peux attaquer tous les gens qui sont proches de moi sur tous les hexagones qui me touchent. C'est ça. Donc ton champion prend 2 dégâts à part si t'as une réac. Non, j'ai pas de réaction. Et puis, j'ai encore moins d'armure. Donc Cordache est décédé. Et hein. Je me mets de 1 aussi du coup. Donc quel jeu Cordache eh bien. Et je prends. Plus que 1 et tu gagnes. Alors, j'utilise. Ma carte rouge pour Tushar et hop, on utilise notre petit corps qui fait que je peux me déplacer deux zones, une, deux, bonjour à tous, et faire un petit, faire des dommages jusqu'à que mes ennemis soient morts. Non, porte de la mort. Et ensuite, eh bien, on va faire revenir un nouveau petit pote. On va utiliser cette carte pour le relais, pour pouvoir déjà se déplacer 3 et c'est quand même sympa. Donc, 1, 2, 3, ici, et ensuite de discard, donc autant de cartes que je veux jusqu'à 4, et du coup de pouvoir me healer sur le nombre de cartes que je dépose. Donc 3 cartes pour healer notre petit ami Tusha, qui est un peu mal en point. Je vais utiliser mon déplacement bleu pour pleine aucune carte, car je n'ai plus de cartes, donc tant pis. Mais au moins j'ai pu remettre le relais dans la mêlée, dans la baston. Donc fin de mon tour, je recharge mes corps et je reprends une. Début du nouveau tour. Moi j'utilise cette carte là. Je peux me déplacer de 2 avec ce champion là, mais je peux faire 2 de damage à des champions qui sont proches de moi. Ce champion, Tushar, il prend 2 de dégâts si je n'ai pas de réaction. Et dans tous les cas, mes alliés gagnent plus de sur leurs attaques sur toutes les... Ok, et bien je vais contrer cette carte avec une carte de Cordache qui permet de rajouter 2 d'armure à mes alliés, donc ça va être évidemment Tushar qui bloque cette attaque. Et en plus de ça, si l'attaquant est aux portes de la mort, mal en point, eh bien, ça annule tous les effets de la carte suivant. Donc, ça ne donne même pas de passif à tes alliés. D'accord. Ouh, c'était cool, ça. T'as juste rien fait. J'utilise cette carte. Qui fait un damage et un push 2. Sur ce champion. Donc, bah, ok, ça marche. Je me pousse de 2. Ok. Donc, je subis 1, hop, et je suis stun, ce qui veut dire que je dois défausser une carte correspondant à ce personnage. Ça sera bien. Et j'avance ici, du coup, et j'ai fini. Bon, pour le début de mon tour, j'ai une que de synergie, c'est compliqué. Je vais utiliser cette carte avec l'Oralay qui me permet de me déplacer de 1, de cibler un ennemi de 3 ou 4 et de faire 3 dommages. Donc je me déplace de 1, hop, me pierre dans le piège. Quelle folie. Ok, une immobilisation, c'est exactement ce qu'il me faut. Et de taper jusqu'à 3, donc un ennemi qui est à distance de 3. Donc je vais taper de Groon, et c'est très bien sur cette attaque, et ce qui fait plaisir, c'est que cette attaque ignore la défense. Donc tu vas prendre 3 dommages gratuits, sauf si tu peux loquer ça. Donc, eh bien, il va quand même prendre 2 dommages. Comme dernier coup, je vais jouer Leaping Strike de Cordache. Et essayer d'aller rebondir le bassin, mais ça c'était un peu compliqué. Un déplacement, comme il est écrit sur la carte, et jump 2. 1, 2, donc je vais me placer ici. Et finir mon tour, comment dire que c'est une défaite, car on avance les cartes, avoir au moins 2 champions adjacents à la statue de Ragriv, qui remporte une catch. Et qui allait en comporter une fois, j'ai perdu! J'ai perdu! Triste vie, je sais, vous êtes triste, vous pleurez chez vous. Les méchants gagnent pas de vous.
Et donc voilà, c'était Matrix, troisième match du Mortal Mythic Attack. J'espère que ça vous a plu. Et puis, au prochain combat. Y a plus de verre là, c'est ça? Ok.